Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. La boutique HTT SAS, en fait, elle m'a envoyé tout simplement du matos. C'est du matos, comme vous pouvez le voir, c'est la tenue que je porte, le pantalon ainsi que l'Ubas. C'est du Clogear. C'est du matos qui est normalement fait pour les professionnels, pour les militaires, les forces de sécurité. On a le terrain qui va avec, donc on va l'essayer et on va voir vraiment ce que ce matos vaut réellement dans des conditions un petit peu plus extrêmes. Écoutez, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Donc on se retrouve après ce petit clip, cette petite démonstration de la tenue en action sur un petit retour en fait d'expérience que je vais vous faire de par ma propre expérience, mais également de par l'expérience de Lolo, de la team de la FAD, tout simplement. Je vais être assez bref sur les explications techniques de la tenue parce que moi c'est surtout le côté Ritex qui m'intéresse. Ça fait environ un mois, un peu plus qu'on l'essaye en fait tous les week-ends et qu'on s'entraîne un petit peu avec pour pouvoir l'essayer dans toutes les conditions. Au niveau de la tenue, que ce soit le combat short ou le pantalon, les caractéristiques au point de vue des matériaux sont plus ou moins les mêmes en fait, tout simplement. Il pleut beaucoup quand même ici. C'est un type de tissu en fait qui est très connu dans le monde militaire pour sa résistance en fait. Pour ceux qui sont curieux et qui ne connaissent pas réellement le tressage ripstop, je vais pas faire une review dessus, enfin un exposé dessus, je vous inviterai à vous rendre sur internet. Pour le tissu, il est Inifuge, donc c'est-à-dire qu'en fait il respecte la norme EN ISO 14116, quelque chose comme ça. En bref, cette tenue est faite pour résister, ou en tout cas plutôt, je préférerais préciser, pour ralentir l'inflammation du tissu. En clair, ne comptez pas vous jeter dans le feu avec cette tenue, mais en tout cas, c'est une certaine sécurité en plus. Je vais m'adresser en particulier pour les forces de l'ordre qui vivent en ce moment des choses un petit peu similaires, qui sont amenées à rencontrer le feu, ou en tout cas les feux d'artifice. Pour ce qui est de la constitution des matériaux, donc c'est 50% de coton, 50% de polyamide, en tout cas pour le bas. Pour le haut, c'est plus ou moins similaire. Là, c'est pas ouf. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des conditions rudes pour présenter cette tenue, mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Petite dédicace au caméraman qui est juste derrière. Hein. Sinon, d'un point de vue Ritex, ouais, voilà. Donc, moi, le gros avantage que je trouve sur cet ensemble, en tout cas, puisqu'il faut savoir qu'il faut les acheter séparément, le combat shirt comme le pantalon, l'ensemble au total vous reviendra aux alentours des 200 €, pour moi un prix qui reste très correct pour la qualité que ça représente. Ensuite, gros plus que ce soit pour le combat short ou le pantalon, il y a des poches un petit peu de partout.
Le combat short, en fait, on a des poches sur les côtés latérales qui sont quand même très très grandes. Il y a de quoi mettre des petites cartes. Je ne sais pas, vous pourrez même mettre un tourniquet si possible. Vous avez une grande plaque de velcro. Donc là, petite dédicace du coup au magasin HTT SAS. Également, le gros point, je trouve, c'est que les manches ici, elles n'ont pas forcément besoin de boutonnières, de scratch spécifiques pour pouvoir les enrouler. Donc ça, c'est vachement pratique. Par exemple, moi, j'ai un combat short Miltech, c'est très galère pour enrouler. Sur le pantalon, plein de poches de partout, que ce soit au niveau des zips, des poches avec boutonnières, des poches porte-chargeur type AR15, je vous fais voir, ici, à disposition, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est vachement pratique. Donc, pour le cas, moi, j'ai ma poche, mais voilà. Je pense pour des forces de police ou de sécurité, avoir un petit chargeur dissimulé, ça peut être intéressant, pourquoi pas. L'avantage de ce pantalon, c'est qu'il est équipé en fait de plusieurs resserrages situés au niveau des hanches, des genoux comme des chevilles, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir adapter ce pantalon à notre morphologie. L'avantage, c'est que du coup, ça devient un pantalon qui reste assez près du corps, mais pas trop non plus. Ça va pas vous étriquer les jambes et au point de vous faire un garrot. C'est très très confort. Honnêtement, c'est un des pantalons, j'ai testé des pantalons de l'armée française, bien évidemment. Les pantalons de la marque Begadi, qui était quand même une très bonne marque. J'avais fait une review dessus. Et là, pour l'instant, c'est le pantalon le plus confort que je trouve. D'ailleurs, le Ruitex que Lolo de la team a pu faire dessus, c'est que pour elle, vraiment, c'était un pantalon qu'elle trouvait confortable. Gros point en plus, c'est que au niveau des genoux, donc vous avez la possibilité de pouvoir mettre tout type de genouillère, mais une bonne majeure partie des genouillères qui sont disponibles sur le marché, vous pourrez les installer, d'autant plus que vous pourrez installer en particulier les fameuses Trust HP, si je dis pas de bêtises, de chez D30. Et l'avantage, c'est que voilà, au niveau des genouillères, vous avez en fait la possibilité de pouvoir accrocher des boutonnières. Mais pas de panique pour ceux qui n'aiment pas les genouillères, comme moi, je déteste les genouillères. Les genouillères restent quand même rembourrées au niveau des tissus. Et Lolo l'a dit également, quand vous mettez le genou à terre, honnêtement, il n'y a presque pas besoin de genouillère, sauf si vous mettez votre genou sur un gros caillou, une roche. Mais dans l'idée, ça reste super confort et tellement agréable. Le ressenti que j'ai, c'est qu'un ensemble qui est assez épais, qui reste très confort, comme je l'ai dit plusieurs fois. Cependant, il tient très chaud. Je préfère être honnête avec vous. Que ce soit pour le pantalon ou le combat short, un petit peu moins. Mais en tout cas, le pantalon tient vraiment très chaud. Je le trouve peut-être un petit peu lourd. En termes de poids, je n'ai pas le grammage spécifique, mais on s'en fout, moi c'est le ressenti que j'ai. Peut-être un peu lourd, et tiens, un peu chaud en été, on l'a essayé jusqu'à 35 degrés, 36 degrés. On l'a un peu essayé, certains vont dire, dans des conditions extrêmes et d'autres non. Mais dans l'idée, des variantes de chaleur qui sont quand même pas des plus froides. Et on a vite très chaud avec, voilà. Le pour ou le contre, voilà, dans l'idée, ça reste quand même... D'un point de vue résistance, vous avez vu dans les vidéos et on est allé l'essayer, on a rampé, j'ai rampé personnellement avec, j'ai glissé dans des pentes avec de la roche, etc. Je sais que certains de mes pantalons n'auraient clairement pas tenu, il n'a pas branché. Il y avait peut-être comme vous pouvez le voir au niveau des boutonnières, je perds l'équilibre. Voilà, des petits fils qui finissent par se barrer, mais très clairement, ça fait un mois et demi que je le maltraite et d'un point de vue résistance, moi, sur un pantalon, c'est déjà le plus gros point qu'on puisse le retrouver. En ce qui concerne les coloris, donc il existe plein de coloris. Tout d'abord, le navy blue, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez, bon, c'est peut-être le principe du navy blue, mais ce n'est pas évident à trouver. C'est une tenue un peu style GIGN, ce fameux bleu un peu nuit. Et pour ceux, pour les adeptes de GIGN, de force de police d'intervention raid, je pense que c'est une tenue qui est tout simplement très adaptée. Ensuite, en termes de coloris, on a du multicam, je crois qu'on a du Ranger Green, on a du Coyote ou quelque chose du style. Enfin bref, du noir, on en a pour tous les goûts. Je vous inviterai tout simplement à vous rendre sur le site HTT SAS pour voir tous les coloris disponibles. Mais dans l'idée, il y en a pour tout le monde. Pour résumer, c'est une tenue qui, malgré un petit peu son poids, malgré son épaisseur et du coup, le fait qu'on ait très vite chaud avec, en particulier quand on va être équipé de porte-plaques, de casques et compagnie, sous de hautes chaleurs, voilà, c'est vraiment pas quelque chose. C'est peut-être pas la tenue la plus adaptée, mais ça reste supportable, hein. C'est pas un chauffage non plus, calmez-vous. Que ce soit pour le combat short ou le pantalon, ça reste une forme de coupe quand même qui est très agréable. Et puis les petites personnalisations vous permettent, voilà,
d'avoir vraiment quelque chose qui est propre à vous-même et qui ne vous dérange tout simplement pas en fait dans vos mouvements. En tout cas, c'est quelque chose que je vais recommander et je m'adresse là, cette fois-ci, en particulier voilà, aux forces de sécurité et de police. Je vous invite tout simplement à aller voir en fait la boutique HTT SAS, comme les Airsofters d'ailleurs. Ah, je voulais remercier la boutique HTT SAS en fait, qui me permet de pouvoir vous présenter et de pouvoir en fait tout simplement qui met à disposition en fait cet ensemble pour pouvoir le tester. Très clairement, une petite dédicace à Gabriel qui m'a dit « Vas-y mec, fais-toi plaisir, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est un retour sur cette tenue. » Donc rien que pour ça et pour sa confiance, je le remercie. Je vous invite à aller voir son site. Pour toute question, je vous invite en fait à vous rendre dans l'espace commentaire de la vidéo et puis également sur notre page Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer un message en privé. On essaye de répondre à la plupart des personnes. C'est toujours plaisant de pouvoir tester du nouveau matériel et en particulier quand c'est du matériel de qualité. Vous le savez, on essaye de vous présenter très souvent, pas forcément le matériel haut de gamme à 600 boulas, mais dans l'idée, on essaye quand même de vous présenter et quand on a l'occasion, j'ai un moucheron qui m'attaque, quand on a l'occasion de pouvoir vous présenter du matériel de qualité, adapté si possible pour les professionnels et à des prix très compétitifs. Aujourd'hui, je sors cette vidéo parce que pour moi, c'est le ressenti que j'ai à propos de cette tenue. Allez, je vous embête pas plus, salut à tous et puis Airsoft est bien.